Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de courrier. Donc, j'ai reçu trois courriers, deux hier et un petit peu plus tôt, en fin de semaine dernière, à peu près. Mais j'attendais d'avoir d'autres courriers pour vous le faire voir parce que je voulais pas vous faire une vidéo d'une minute. Donc voilà. Je vais ouvrir tout ça, mais avant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Activez le petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé mes vidéos et que vous voulez en voir d'autres. Et me laisser un petit commentaire en dessous, petit ou grand d'ailleurs, comme vous voulez, pour me dire ce que vous pensez de ces courriers. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, on commence. Alors, je vais les ouvrir dans l'ordre où je les ai reçus. Donc celui-ci que j'ai reçu la semaine dernière, je crois. Donc qui vient de Lola T du 34 de la chaîne Ziel Création. De la boutique sur Patreon qui s'appelle La Baleine qui en bosse. Pour celles qui veulent savoir le nom de sa boutique. Donc elle m'a envoyé une carte de remerciement pour son parce que j'ai participé à son concours. Donc voilà. C'est une très très jolie carte avec un fond au brochot. Non, je oh, c'est pas brochot. Comment s'appellent les espèces de gros pastels là? Elle avait fait une vidéo pour ça. Et j'ai plus le nom du matériel, faut le faire. Avec un tamponnage. Là, celui-ci, la rose, il est en 3D. Les autres sont sur la carte. Et elle me dit coucou, merci pour ta présence et ta participation au concours. Bon scrap, à bientôt, Lola. Donc voilà, une très très jolie carte. Ensuite, hier, j'ai reçu de la part de Audrey B du 38 cette enveloppe. Toute petite, toute mimi, avec un timbre. Bon, il est tamponné par la poste, c'est pas grave, mais je vais le récupérer parce que je vais m'en servir pour mettre quand je fais des créations. Je garde les jolis timbres. Donc, si vous avez possibilité de me mettre de beaux timbres lorsque vous faites des envois, n'hésitez pas parce que moi je m'en resserre et j'apprécie énormément les beaux timbres. Donc voilà. Elle m'a envoyé cette enveloppe parce que j'avais fait un appel lorsque j'avais fait cette ATC. Alors, Audrey, je ne l'ai pas encore envoyée. Je te l'envoie là. Elle part cet après-midi. Donc voilà. Une ATC sur le thème Halloween qui était unique puisque je n'en ai fait qu'une de cette série-là en tout cas. Elle est en 3D avec une chauve-souris montée comme ça. Il faut juste que j'arrive à trouver une enveloppe qui puisse la contenir sans qu'elle soit abîmée. À moins que je lui replie ses ailes dans une enveloppe. Ouais, ça devrait faire. Parce que ses ailes sont pliées, simplement, je vais les mettre à plat. Donc, je t'envoie ça cet après-midi. Et en échange, j'avais choisi une ATC dans celle qu'elle avait pour les échanges. Et elle m'a envoyé celle que j'avais choisie avec le château, avec des petites chauves-souris, trois. Eh ben, j'ai perdu mes mots, c'est pas possible. Ça va revenir. Faut pas que j'y pense. Le fond a été fait avec de la patouille, magnifique. Donc cette série s'appelle Halloween. C'est la numéro 1 sur 6. Il a été fait par le scrap de Ziboulette. Son Insta, c'est le scrap de Ziboulette avec des tirets du 6 entre chaque mot. Ziboulette avec un seul L et deux T. Et il a été fait le 29 septembre 2020. Donc voilà. Des strass. Vous voyez, il suffisait que j'y pense plus et ça revient. Donc ça, je vais me le garder, l'enveloppe pour le timbre. Et la TC, je vais la ranger juste après. Et elle m'a mis un petit mot disant. Coucou, voici l'ATC, j'espère qu'il te plaira. À bientôt pour un nouvel échange, Ziboulette. Moi, je le pose là, je vais le mettre dans ma boîte à courrier.
J'ai reçu également un envoi. Alors, il a déjà été ouvert, j'ai déjà regardé la carte parce qu'il n'y avait pas de nom au recto de l'enveloppe. Voyez. Et donc, du coup, je voulais savoir avant de vous le présenter de qui il était. Il vient de Béadi du Midi, donc de Béa, qui m'a envoyé le lot que j'ai gagné lors d'un tirage au sort qu'elle avait fait sur une vidéo pour le. Je vais pas arriver à le sortir là pour le bloc customisé sur le thème de l'automne. Donc, regardez-moi cette merveille. C'est vraiment. Donc, elle a ancré le bord du bloc. Un joli sticker automne qui a été ancré également sur le bord. Les feuilles là, tout a été verni, donc elles sont vraiment bien brillantes, bien appliquées. Il a été entièrement verni ce. Je le trouvais magnifique avant le tirage au sort, magnifique après le tirage au sort, surtout quand on sait qu'on a gagné, tout est magnifique forcément. Mais alors l'avoir dans les mains, c'est encore plus joli. Donc là, elle a mis un ruban feuille. J'aimerais bien qu'Action en refasse de ça parce que moi, je les avais loupés. Et au final, c'est très très joli. Donc voilà. Sur les champignons, elle a mis des dots. Là, ça ressemble aux perles. Je me demande si c'est des dots ou si c'est des perles de. Vous savez, les puzzles qui se font maintenant en perles. Des diamond painting. Voilà, je cherchais le nom. J'avais le DT dans la tête, mais pas le diamond painting. Donc je pense que c'est des perles qui lui restaient. Parce que ça y ressemble beaucoup. Après, oui, c'est ça, je crois. C'est magnifique. Un beau ruban avec une demi-perle dessus. Encore des perlounettes, comme elle dit. J'adore quand elle parle. Je vous fais voir l'intérieur. Donc à l'intérieur, sur cette partie-là, elle a mis un superbe tamponnage champignons et feuilles. Le papier est superbe. Et bien sûr, nous avons les sticky notes. Pardon, je vous fais bouger. Les sticky notes, donc nous avons avec théière. Là, ce sont des théières et tout ce qu'il faut pour cuisiner. J'ai pas envie de manger au milieu des repas, entre les repas, mais là, franchement, ça me donne faim, tout ça. Je vais peut-être me descendre à faire un thé juste après. Donc voilà, c'est magnifique. On dirait un four celui-là. Le robot de cuisine. Et il y a vraiment de quoi faire. Il est vraiment magnifique. Encore une feuille là. C'est vraiment super bien fait. Bravo. Sincèrement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je t'ai envoyé un mail hier pour te remercier et pour te dire que j'adorais, mais alors, j'adore. Je sais pas quel mot je pourrais utiliser d'autre pour te le dire. C'est vraiment superbe. Donc, elle m'a envoyé une carte qu'elle a fait en tuto. J'avais adoré le tuto, mais le fait de l'avoir eu, moi, cette carte qui a été faite en tuto, c'est très touchant, je trouve. Donc, je vous mettrai dans le petit ici le lien vers sa chaîne. D'ailleurs, non, pas le lien vers sa chaîne, mais vous l'aurez. Parce que je vais vous mettre le lien vers sa vidéo où elle a fait ce tuto. Et également celui où il y a le. Où elle a fait le tirage au sort pour celui-ci. Et ainsi, vous aurez le lien vers sa chaîne, puisque les deux vidéos sont sur sa chaîne. Donc voilà, donc sur sa carte, elle a fait un fond de patouille. C'est brillant, c'est métallisé, c'est tout en cuivré, c'est magnifique. Une découpe qui est elle aussi. Oui, c'est ça, c'est de la patouille dessus. Pareil pour sa découpe ici. Donc ça, c'est des découpes, je crois, qui viennent d'Action. Un tampon automne qui est une police d'écriture que j'adore. Deux petites pignes de pain. Un petit ruban avec une demi-perle. Des demi-perles partout. Et des feuillages qui sont eux aussi patouillés. Tout est magnifique. Sur une base de carte noire, et t'as raison, ça ressort vraiment mieux que sur du craft. J'adore. Donc signé Béadi au dos. Et elle me met, coucou Claire, très heureuse que tu aies gagné. Et mille merci d'être là pour moi et pour tes gentils commentaires. Gros bisous, Béa.
Le B a dit. Sincèrement, j'adore ce que tu fais quand je regarde tes vidéos, mais les avoir dans mes mains, c'est encore plus beau et j'adore encore plus. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous remettre tout ce que j'ai reçu pour que vous voyez et ainsi je pourrai tout mettre sur ma photo que je vais prendre juste après pour essayer de tout mettre pour mettre sur YouTube. Donc voilà, je suis très très contente. Je vous remercie toutes les trois. Je vous mettrai également dans le i le lien vers la chaîne de Lola, donc ZL Création. Et le scrap de Ziboulette, je vais voir. Elle m'a pas mis de chaîne YouTube. Je vais voir si je trouve. Si tu en as une, je mettrai également dans le i. Sinon, je mettrai en barre d'informations tous les liens vers ton Insta. Comme ça, les gens pourront venir voir ce que tu fais. Parce que c'est pareil, tu fais des choses splendides. Donc, je vous remercie. Je vous remercie également toutes. Nous sommes presque à 700 abonnés sur la chaîne. Donc, c'est une grosse surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à avoir autant en si peu de temps. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à partager de façon à ce que nous soyons encore plus nombreuses. Et amusez-vous en scrap. Je vous remercie. Au revoir.